Bonjour à tous et bienvenue sur La Plume de Mélusine. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler un peu théâtre et nous allons faire des exercices de diction afin d'améliorer la prononciation des mots et des phrases. Alors voici des phrases à répéter après moi. Il faut être bien installé dans un fauteuil, le dos bien calé, et il va falloir travailler un petit peu sur la respiration pour arriver à dire ces phrases correctement sans fourcher. Nous allons commencer par les répéter doucement. Et au fur et à mesure de vos entraînements, vous allez pouvoir commencer à les dire de plus en plus vite. Il faut arriver à les dire sur un seul souffle, sur une seule inspiration. Donc il faut bien remplir ses poumons pour pouvoir dire ces phrases jusqu'au bout. Donc je commence. Lapi niche haut, loi niche bas. Où niche l'hibou? L'hibou niche ni haut ni bas, l'hibou niche pas. Phrase suivante. La lune luit la nuit au-dessus du lit de Louis. Phrase suivante. Ce soir, nous serons tous très secrètement chez ce très cher Serge. Phrase suivante. La chemise de l'archiduchesse est-elle donc sèche ou archi-sèche? Autre liste de phrases. Ce chat se sèche au chaud sans chichi. Phrase suivante. Papa boit dans les pins. Papa peint dans les bois. Dans les bois, papa boit et peint. Phrase suivante. Trois tortues, très têtues, trop tantrot, tartontues. Phrase suivante. Alors là, c'est pas une phrase, c'est un jeu qu'on va faire. Il faut arriver, à force d'entraînement, à dire 10 fois ce jeu de panier, piano, piano, panier. Les 10 fois, vous allez y arriver, mais il va falloir quand même s'exercer plusieurs fois. Donc on prend bien son souffle. Il faut, comme tout à l'heure, arriver à le dire sur une seule inspiration. Panier, piano, piano, panier, 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 panier, piano, piano, panier. Donc là, je suis arrivée au bout du souffle. Donc voilà pour cet exercice. Et ensuite, je peux vous proposer, pour s'entraîner tout seul, parce qu'il est difficile quand même de trouver des exercices, j'ai vu que vous étiez demandeur, mais des exercices où on peut s'entraîner tout seul, c'est pas très courant. Donc là, un exercice, si vous voulez vous entraîner à la maison, à faire un monologue de présentation. Vous pouvez trouver un auditoire dans votre famille, ou vous le faites tout seul devant votre miroir. Et vous vous entraînez à vous présenter qui vous êtes, ce que vous aimez dans la vie, votre travail, vos loisirs, vos passions, etc., etc. Tout ce qui vous paraît utile de dire pour bien vous situer par rapport à un groupe de personnes qui pourraient être en face de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le théâtre. J'espère que cet exercice vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à bientôt.